Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9, je crois que c'est le 9, je suis pas sûre, de Zelda Ocarina of Time. Donc souvenez-vous pour le dernier épisode, pendant que je récolte les rubis, sans parler à la chouette qui est là-bas, qui me regarde avec un regard assidueux. Le dernier épisode, on a fait la fin du... Merci, je vais pas m'avancer en fait. On a fait la fin du donjon numéro 2, c'était bien marrant, tout ça. On a réussi à choper la pierre, les Gorons ils nous aimaient bien, tout ça. On s'est arrêté ici, alors j'ai enlevé le jeu. Et quand j'ai rechargé le jeu, on a respawné. Donc quand tu recharges le jeu sur Ocarina of Time, tu reviens dans ta maison dans la forêt Kokiri. Donc c'est à 10 000 km. Et donc je suis revenu directement là où on devait aller. Donc c'était juste à gauche, à droite du village Kokoriko. Et donc on peut continuer. Il faut que tu penses à upload le 7 et le 8 sur ta chaîne YouTube. Oui, alors le 7 arrive aujourd'hui, le 8 arrive demain. Si vous regardez ça sur YouTube, ça ne vous dira rien du tout. C'était donc hier et avant-hier. Mais donc voilà, là j'ai trouvé vraiment comment pouvoir mettre... comment tout marche bien. J'ai pu mettre le chat, si vous voyez. Donc vous avez maintenant le chat en bas. Donc quand les gens posent des questions, vous pouvez savoir à quoi je réponds. C'est plus sympa. Et voilà, alors bonjour la chouette. Loot, j'allais dire n'importe quoi. Ouhou, tu es devenu très fort, Link. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zora protègent cette source d'eau et servent à la famille royale Tyrule. C'est horrible parleur d'assuré, mais je vais le laisser parler. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Très utile. Voilà. Non, j'ai pas de bouclier, je sais. On me l'a cassé dans l'épisode précédent. Parce que j'avais le vieux bouclier en bois en fait. Et j'attends... qu'est-ce que tu me veux? Darunia affirme qu'une fée vit au sommet du monde. Non mais je t'étouffe, je m'en fiche. Et donc oui, on a cassé mon bouclier en bois magnifique. Et bah... J'attends pour prendre le grand d'un coup. Normalement... Ah non mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Hop là. C'est pas ça? Ah mais je les soulève carrément? Mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Attendez. Ou alors je l'ai mal fait. Merci. Je me disais aussi, dis donc si c'est pas ça, alors là. Je ne sais plus quoi croire. Donc. Coucou. Viens ici. Donc là, il faut jouer avec. Ah mais non, tiens, je vais lui prendre des petits trucs. Il est jaune? Alors lui, il vend des haricots magiques. Si vous ne connaissez pas Zelda, ça ne va rien vous dire. Je ne vous spoilerai pas sur ce que ça fait, mais voilà. Je t'en propose 10 000 pièces. Donc j'en prends un. Voilà. C'est toujours... Donc ça se plante là, par exemple. Sauf que moi, je ne veux pas le planter là. La poupoule. Tu reviens, la poupoule. Hop là. J'ai failli pas le faire. Donc oui, là, faut utiliser la poule pour planer, n'est-ce pas? Parce que c'est absolument ce qu'on fait dans la vraie vie. Ça nous permet de sauter plus loin. Alors, il y a des quarts de cœur, là. Je sais à peu près comment les avoir, mais je n'ai jamais réussi parce qu'il faut utiliser la poule à chaque fois. Et en général, j'essaye pendant 20 minutes et après, j'arrête. Parce que bon, comme j'ai dit, je ne ferai pas le jeu à 100%. Mais genre là, je me souviens plus comment c'est, mais... En gros, il faut y aller avec la poule et la jeter. Et voilà, comme ça. Et normalement, je crois qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut, là? Pas sûr de... Ah, il y a des insectes ici, mais c'est pas ce que je veux. Bon, je crois pas que c'est comme ça. Bon, on va essayer quand même. Oh, magnifique. Oh, du premier coup. Je sais, vous pouvez m'applaudir. Non, pas du tout. Donc oui, c'était bien ça, en fait, c'était beaucoup plus simple que je veux m'en rappeler. Je ressaute par où? Par là? Oui, non, c'était pas par là. Ah si. Après là, il y a un autre truc, j'ai jamais su ce que... Non, qu'est-ce que... Je me souviens plus. Parce que donc Navi, elle te dit il y a un truc. Et... J'ai jamais vraiment pigé, c'est peut-être un truc du futur, c'est pas grave. Ça n'affecte pas l'histoire. Merci, merci. Les applaudissements. Donc voilà.
Je sais, je sais, je... C'est la meuf qui prend trop la grosse tête. Il y a des gens qui font ça en 3 secondes, mais... Non, non, mais... Comprenez, c'est... J'utilisais la poule et tout, c'était super compliqué. Hein. Alors, je me souviens... Il y a des araignées... Voilà, il y a une araignée là. Sur le... Ça ne vous dit rien, parce que je pointe absolument pas la bonne direction. Mais je vais essayer de prendre les araignées que je sais comment prendre, déjà. Tu vois ce que je veux dire. Déjà pas... Ah mais non, il y en a un autre là! Attendez. On va aller rechercher la poule. Si elle est pas trop loin. Parce que si elle est à la parfaite, j'ai un petit peu la flemme. Mais les cartes de cœur, quoi! Va-t'en. Parce que là, en fait, faut réussir à faire tout le chemin avec la poule. La poule qui, si tu tombes dans l'eau, elle te dit bye bye. En gros. En très gros. Où est-elle? Non, c'est pas par là. Ça, c'est avec Epona. T'es une fille, c'est pour ça qu'on applaudit. Ouais, ouais, ouais. J'avoue. Bon, elle est où la poule? Ah non, mais elle est à perpète en fait. Elle est à perpète, tant pis, ça sera un aller-retour pour rien, je le referai plus tard. Peut-être que je ferai des épisodes bonus en mode je vais chercher tous les quarts de cœur et tout. Si Elvie aurait fait ça, on aurait dit vous êtes trop méchant, le pauvre Elvie. Moi j'aurais dit tu fais des trucs bien, faut me récompenser la. Comment on dit? Pas récompenser, mais faut être gentil avec les gens. Non, non, très bien. Alors. Donc, nous retrouvons ici, là où on était tout à l'heure. Désolé pour l'aller-retour, mais j'ai tellement pas la foi d'aller chercher une poule. Et donc, c'est tentant, hein. Juste là, mais non, tu peux pas y aller sans la poule. Et donc ici, il va falloir jouer la chansonnette. Pour de grenin, à force, c'est gavant. J'avoue que... Enfin, moi de toute façon, je n'ai pas encore pu y jouer, parce qu'à chaque fois que je me connais, je suis sur le serveur le plus peuplé de l'Europe. Je suis sur le serveur qui s'appelle Draenor. Je me suis dit tiens c'est marrant, je vais reroll sur le serveur qui s'appelle comme l'extension. Très mauvaise idée, du coup il y a 7000 personnes devant moi en file d'attente à chaque fois. C'est genre 13 heures d'attente, c'est même pas la peine quoi. Alors... Ah mince, comment on fait? C'est celle-là? Non, pas du tout. Je suis désolée, je ne connais... Je n'ai jamais connu les chansons par cœur. Si, à un moment donné, je les connaissais par cœur, mais en plus, dans le nouveau Zelda, donc sur Ocarina of Time 3D, il t'aide à chaque fois. Ah bah oui, c'était ça. Oh mon dieu. Honte à moi. Fais le chant d'Epona, je l'ai pas encore. Faudra que j'aille la chercher, d'ailleurs, c'est bien de me le rappeler. Parce que faut aller la chercher avant que tu deviennes grand. Pour ceux qui connaissent pas, je vous expliquerai. Enfin non, vous verrez de vous-même. Bah sur Dalaran, c'est moins peuplé. Ouais, c'est prévu. Je voulais transférer un personnage sur Dalaran, mais je suis Horde et ils sont tous sur l'Alliance, donc je vais rire à l'Alliance. Écoutez, voilà. Invente-nous une nouvelle chanson. Vous êtes malade. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Je sais pas jouer, je sais même pas jouer d'un instrument de musique dans la vraie vie. Quand j'étais petite, enfin petite, quand j'avais 14 ans, je voulais jouer de la batterie. Mais voilà. Elle est trop bien cette chanson, je vais vous augmenter le son juste pour cette chanson qui est trop bien. Trop relaxant. J'adorais avant juste me mettre là. J'ai dit là. Devant la cascade et je laissais le son comme ça. Et ça m'endort. Je sais, je suis malade. Non mais moi le son, genre quand il pleut, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand il pleut à mort, des trombes sur la fenêtre et tout, il y a des gens qui supportent pas, mais ça m'endort. Alors, je me suis complètement perdue. Est-ce que c'était... Je sais qu'il y a un truc à faire ici. En général, quand il y a des torches dans Zelda qui ne sont pas allumées, c'est que il y a un truc à faire. Je n'ai pas de bouteille en fait, non, parce qu'en fait, je vois des poissons. Je voulais un poisson pour après, mais on n'a pas la bouteille tout de suite. Donc. Un retour de la Dream Team. Alors là, je sais pas qui t'es pour pouvoir connaître ça. Parce qu'il y a que genre 4-5 personnes au monde qui connaissent l'existence de ça. Mais c'est. Bah.
ceux qui en font partie. Je ne sais pas. Alors, tu as eu... J'habite à Londres. Ça fait loin. J'aimerais bien habiter... Enfin non, j'aime bien Londres. J'aime bien. Parfois la France... ça fait bizarre de pas être en France, mais... C'est quand même assez extraordinaire d'y habiter. Et forcément, il pleut tout le temps. Les rumeurs ne sont pas fausses. Mais il fait jamais froid, en fait. Alors attendez, je préfère... Attends. Je vais juste ranger, voilà. Je préfère le faire par étapes, sinon ça consomme un bâton et... Les bâtons, c'est précieux et important. Il y a des gens qui le font en 3 secondes, mais moi je préfère en faire un par un. Genre voilà, hop, je range. Coucou Curion, comment tu vas? Bonjour à ceux qui arrivent. Vous êtes beaucoup, je sais pas comment... Je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Comme d'habitude... Sitôt en un dimanche, je vais re-ranger le truc. Je fais par étapes, hein, mais vraiment par étapes. Mais oui, en général, le dimanche matin... parce que oui, pour moi, c'est le matin. Prends le feu, Link. Merci. Oui, pour moi, c'est le matin. En général, il y a pas beaucoup de monde, mais apparemment, si. Voilà. Et ça ne fait rien. Va crever. Non, j'en ai loupé un. Est-ce que j'en ai loupé un? Ah, très bien, ils se sont éteints derrière moi. Est-ce qu'il faut faire tout d'un coup? Alors, je joue sur ordinateur, sur émulateur. J'ai une GameCube, mais de 1, je n'ai plus de manette. Enfin, j'en ai une, mais elle marche plus beaucoup. Donc je joue avec une manette de Xbox, ce qui n'est absolument pas recommandé pour un jeu de ce style. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va le faire en speedrun. Taïo! Allez, cours, cours. Limite, le faire en 2 fois, ce serait possible. Là, je l'ai fait en 3-4 fois, donc forcément. Cours, le bâton va fumer. Ah non, c'est bon. En fait, ils ont une énorme espérance de vie comparée à ce que je pensais. Non, là, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Magnifique. Alors... J'avoue, j'ai mis trop longtemps en fait. Range le bâton. Mais dis donc, en fait, ils ont une expérience de vie de malade. Et donc, je ne me souviens absolument pas de ce que c'est. J'espère que c'est pas des sous, parce que j'en ai déjà assez. Ah, magnifique. J'en ai que 2. Je pensais que j'en avais 3. Ah, bah non, l'autre, j'ai pas rattrapé. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, oui, je joue sur ordi parce que donc je peux pas brancher ma GameCube. Et puis, de toute façon, j'ai pas encore. De trucs qui me permet de filmer ma télé. Je vais peut-être en avoir un, je sais pas, ça va se décider entre moi et mon meilleur ami qui voulait m'en offrir un pour Noël. Moi je lui dis que toi parce que c'était trop cher et qu'il fallait pas, et puis bon, on verra. Mais du coup, c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un pour pouvoir vous faire un esplay du nouveau Zelda qui va sortir en 2015. Oh, parce que ça, ce serait extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis sur ordi. Je préfère la France ou l'Angleterre? Je sais pas. Les deux ont leur qualité. Bijoul. Voilà. Notre chère et douce princesse Ruto. Mais où est-elle? Nous sommes si inquiets. Ah oui, c'est vrai, faut leur montrer. L'HDPVR, ouais, c'est ça. L'HDPVR, je crois que ça s'appelle comme ça. HDPVR ou HDVR? Ce qui permet de filmer la télé, quelle que soit la console, donc. Je viens de la princesse. La princesse. Oh. Regarde-moi quand je te dis. Non. Comment? Je veux te fixer, moi. Voilà. Regarde-moi. Je te montre un truc. Mais. Je vais mettre plus près. Je suis presque sûre que c'est ça. Regarde-moi. Très bien. C'est pas ça? J'étais presque sûre. Est-ce que ça va être quoi? Parce que pour moi, il fallait lui montrer la lettre. Bon, très bien. C'est peut-être après. Va-t'en. Parce que là, en gros, donc cette personne a perdu sa fille. Et donc, il faut lui dire que moi, c'est bon, je peux t'aider.
et que après il va bouger son gros, énorme, immensissime derrière. Il va te laisser passer en fait, et là en fait non. Ah mais non! C'est pas cette lettre là, autant pour moi, il faut lui montrer une autre lettre. Je sais où elle est. Faire le truc de la cascade. Non, 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 en fait, faut aller au Laquilia, c'est ça. Il y a la lettre dans une bouteille. L'Angleterre, c'est trop beau, ouais, j'avoue. Jeu du plongeon. Alors, ça, c'est marrant aussi. On a énormément de sous, donc ça ne va servir à rien, mais c'est pas grave. Parce que c'est marrant et tu peux faire. Je suis le roi du monde! Tais-toi, je vais être le roi du monde. Ah, voilà, il lance des sous. Je crois que si je les attrape les 5, j'ai un truc. De toute façon, moi, je suis vraiment pas douée à ce truc-là. Géronimo ! Voilà. Et donc, il faut attraper les 5. C'est pas trop compliqué. Hein. C'est juste qu'il faut bien économiser son temps. T'es obligé de le faire ? Ah oui, je crois... Mais oui, bien sûr, je suis bête, je suis obligée de le faire. Parce qu'après, le truc qu'il va te donner, ça va te permettre de... Celui-là, je l'aurai pas. Ah si. Le truc qu'il va te donner, ça va te permettre de aller justement au Lakinia. Vous allez voir, tout est prévu. Imaginez faire ça en étant tout petit et en n'ayant aucune idée de quoi faire. Ça m'a pris tellement longtemps les premières fois. Félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi, viens vite le chercher. Alors voilà, tu dois remonter. Parce que forcément, le mec, il peut pas bouger son cul, il peut pas te lancer le truc. C'est bon, t'as gagné, prends le truc, c'est bon. Pour qu'il bouge, tu... Ouais, merci. Je m'en suis rendu compte après. Parce que je savais que c'était une lettre, mais je me suis pas rendu compte que c'était pas la bonne lettre qu'il fallait que je vous montre. Parce que c'est vrai que la princesse Zelda, il en a un petit peu rien à faire, n'est-ce pas? Bonjour à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup. J'espère que vous aimez toujours ce let's play ou que vous découvrez tout ça et que vous aimez bien. Moi, c'est un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré, je crois. Pour l'instant ça va parce que je connais un petit peu par cœur. Quand on va arriver vers le dernier donjon, je vais un petit peu galérer. Donc bref, bijoura. La vue de la caméra, tu sais pourquoi ça se met dans l'eau, mais... Quel magnifique plongeon, prends donc ceci. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus longtemps. Profondément, pardon. Donc voilà, vous recevez l'écaille d'argent. Donc en gros, maintenant, avant on pouvait plonger pendant 3 secondes et maintenant on peut plonger pendant je crois 6. Attention, il peut retenir sa respiration super longtemps. Et ça va nous permettre justement d'aller là. Parce qu'avant, on pouvait pas. J'avais même pas essayé, mais... Maintenant, on peut. J'avoue, faudrait que je fasse Majora's Mask après. Mais le truc, c'est que Majora's Mask, donc j'y ai jamais joué. Et j'ai pas envie de faire un let's play sur un jeu que j'ai jamais joué. Je sais pas. Alors là, comme vous voyez, il y a un truc. Voilà, même Navi, elle est là. Regarde, il y a un truc, tout. Mais il faut les 6 secondes pour pouvoir l'attraper. Parce que c'est bien profond. Et voilà. Vous obtenez une bouteille vide. Joie, bonheur. Ah, elle est pleine. Ah, très bien. Donc voilà, il y a un truc dedans. Tu comptes acheter... Oh, on m'a dit un truc aussi avant. Est-ce que tu comptes acheter Rosa? Oui, je l'ai précommandé. J'ai précommandé le... Oh, tu te fous de ma gueule. J'ai précommandé le saphir et Link. Link, arrête. Arrête, t'es bon. Et je compte acheter le remake de Majora's Mask, oui. Mais je pense pas pouvoir le filmer parce que je peux pas filmer l'écran de ma DS. Et puis de toute façon, si je filme Majora's Mask, ce sera l'original. T'es obligé de nous le faire si tu l'as jamais fait. T'es sûr? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça va ennuyer les gens. T'imagines si toi t'as fait le jeu 10 000 fois et qu'il y a quelqu'un qui le fait en blind et qui sait pas quoi faire. Attends, tu vas en avoir ras-le-bol tellement vite. Parce que du coup, la personne, elle va... Je sais pas pourquoi je prends le très long chemin, mais c'est pas grave. Je voulais monter l'échelle. J'ai vu l'échelle, j'ai dit... Voilà. Voilà. Mais donc, oui. L'argent n'y est pas, mais je m'en fiche. Je veux tous les trucs. Mais c'est surtout le Zelda 2015 que j'attends. D'ailleurs, son nom provisoire, je crois que c'est The Legend of Zelda. Très original, n'est-ce pas? Il y a Smash Bros sur Wii U aussi. Oh, il y a tellement de trucs à acheter. Ça nous ruine le monde du jeu vidéo. Alors, c'est marrant, on peut t'aider comme ça. Ouais, j'avoue. Si je le fais en live, c'est bien parce que vous pouvez m'aider en direct. Alors, j'ai trouvé une lettre dans une bouteille et tout. Je crois que
Je sais même pas que ça fait combien de temps que je fais l'épisode, mais on va pouvoir s'arrêter après ça. Alors, oui, je vais te viser. Non, pas comme ça. Comme ceci. Voilà. Coucou. Voilà. C'était bel et bien ça. Oh, cette lettre. Elle est de la princesse Ruto. Voyons voir. Elle est dans le ventre du grand Jabu Jabu. C'est incroyable. J'ai jamais su comment prononcer ça. C'est Jabu Jabu ou Jabu Jabu? Je disais j'avoue, j'avoue quand j'étais petite. Notre dieu protecteur, le grand Jabu Jabu, ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Mais depuis la venue... Je sais pas pourquoi je lui fais un accent, mais... Il a une tête à avoir un accent. De cet étranger, Ganondorf, le grand Jabu Jabu est un peu palo. Les faits sont clairs, tu dois délivrer notre Ruto. Passe derrière nous. Mec, t'es tout seul. T'es plusieurs dans ta tête, tout. Bref, dirige-toi vers l'hôtel du grand Jabu Jabu. Nous gardons cette lettre. Tu peux conserver cette bouteille. Merci. Nous t'en prions. Sauve la princesse Ruto. Ça va, l'ego surdimensionné? Donc voilà, alors là, on en a pour 5-10 minutes. Je ne déconne même pas. 5 minutes. Oui. Le mec n'a pas levé son cul depuis qu'il est né, à mon avis. Depuis bien une dizaine d'années, là. Voilà, donc sur cette action extraordinaire, on va finir l'épisode ici. Pour le prochain épisode, donc ce sera l'épisode 10 qui sortira demain, on se retrouvera pour le début, je pense pas tout, mais pour le début du temple. Tais-toi, Link, je parle. Le début du temple de l'eau, donc le troisième temple. Et voilà, portez-vous bien et à très bientôt.